sécuriser bien sûr l'arrivée du bateau et après on leur offrira les cadeaux. Avec Francis Leboeuf, le directeur de course, à remettre les fruits, bien sûr, ici de la Martinique. Denis, si j'en peux vous avoir quelques instants, toujours à la même. Merci. Voilà, merci pour l'accueil, c'est super. Bravo à vous. Merci pour l'accueil. Ah, trop bien, merci beaucoup. Voilà, Denis, les fruits pour la nuit de base, c'est génial. Merci. Bravo à vous. Et vous avez bien sûr, monsieur Regardez, j'invite notre ami Damien de Longueville, le président de Martinique Transat, à vous remettre le champagne pour célébrer l'arrivée ici à Fort-de-France. Reviens à notre niveau. Ouais. Je vais un peu plus. J'ai approché vous. Guy, pardon, ouais. Vous collez un peu. On laisse. Ah. Salut Alain, tu vas bien? Salut. Bravo les gars. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là. Ouais, on est content d'être là, là. C'est cool. C'est clair. On était... Notre plus grande réussite, c'est d'être là avant le couvre-feu. Exactement. Ça fait 3 jours qu'on en parle, qu'on est en panique. Et rester 19e aussi, quand même, c'était pas mal. Voilà, avec ce qu'on a eu comme souci, comme voile, puisqu'on n'a pas toutes les bonnes voiles. Donc on a bataillé, on a toujours réglé le bateau, donc on s'est bataillé pour rester 19e. Ouais, raconte-nous ça. Ben, d'abord, notre grand spi qui avait un peu d'âge, ben, il a terminé au sénatorium et puis finalement... au Cap Finistère, quoi, il n'y avait plus grand spi. Ah, on a essayé de le réparer deux fois, on l'a renvoyé deux fois, chaque fois ça s'est déchiré. Donc après on a fait ginac, mais forcément... comme on l'a beaucoup utilisé, bah, il s'est usé aussi. Puis c'est quand On a fait la dernière semaine au portant VMG sous code 0, dans 15 nœuds de vent, donc c'était un peu long. C'était un peu longué, mais bon, on est arrivé dans les temps. Vraiment, l'objectif à la fin, c'était de finir dans les temps de la course, quoi, pas être hors course, et ça, c'était super. Donc ça a été c'est une grande réussite. Il y a plein d'objectifs qui ont été validés. Ça a été une vraie route de la galère parce qu'on a eu des galères beaucoup, mais on a toujours su réparer et puis terminé. Donc c'est top quoi. Et voilà. Tout ça dans la bonne humeur. Voilà. Ouais, ça il l'attendait. Bien fraîche. Ça c'est sympa. Voilà. Merci. Non voilà, c'était quand même un plaisir d'être sur l'eau, forcément. Et puis nous l'objectif il est atteint. On est sans doute le plus petit budget de la classe IMOCA, vraiment content d'être là. On a, comme je disais, atteint les objectifs puisqu'on a validé les 1000. On a fait une super course, on s'est bien amusé, on s'est bagarré pour garder la 19e place. Et puis en plus on est là avant le couvre-feu, donc
Je pense que c'est, les trois trucs importants sont validés. Et puis ça a été du plaisir avec Tanguy. Voilà, c'était que du bonheur. Les cas se cochaient. Tanguy. Ouais, non, c'était super. C'était la première en Imoca. Ouais, moi c'était une première expérience. C'était un peu sur le tard parce que y a eu la saison Figaro qui a été dense et j'avais navigué deux fois sur le bateau avant le départ. Et l'objectif c'était vraiment de découvrir le bateau, d'essayer de terminer la course avec Denis pour qu'on valide les 1000 en vue du prochain Vendée Globe. Donc là on a validé ça, donc on a gravi une première petite marche, donc c'est super. Puis on a vachement appris sur la gestion des emmerdes parce qu'on en a eu quand même un certain nombre. Et de ce point de vue là on a appris beaucoup de choses. Et bon, on le savait déjà, mais ces bateaux là c'est vraiment il faut absolument mettre l'importance sur la préparation en amont, quoi. On se rend compte que c'est là où ça fait la différence sur l'eau. Et voilà, bah nous on a passé la course à gérer des emmerdes et donc on a été un peu moins compétitif. Mais néanmoins on a appris plein de choses, donc c'est super et puis on est super heureux d'être là. Et la célèbre phrase de Michel de Joyeux en course en mer, c'est une emmerde par jour, c'est ça? Ouais, là c'était ça, ouais. C'était ouais, cool. Il ment un peu parce que nous c'était 2-3 emmerdes par jour. Ouais, c'est ça. Lui c'est un petit joueur. Mais c'était génial parce que c'est super satisfaisant parce qu'avec tous les emmerdes qu'on a eu, voilà, on s'est jamais dit bon bah là on arrête, c'est fini. On a toujours été de l'avant et aujourd'hui on est là. On savait pas quand est-ce qu'on allait arriver. On regardait mille après mille, enfin on prenait journée après journée et donc c'est très très satisfaisant. Ouais. Denis, si tu devais garder une image, un moment de cette transat Jacques Vabre, toute la transat. Voilà, simplement toute la transat. Ouais. Tanguy ? Une image. Je pense que j'ai une image qui est gravée, c'est quand on a passé toute la journée là en plein cagnard à réparer notre spi. Donc, il s'est déchiré au point d'amure. Et Denis, il va voir, tu vois, ça a marché. On l'a collé, je lui ai dit, ça passera jamais. Et on l'a envoyé, ça a marché. Et j'étais, putain, c'est génial, Denis avait raison. Donc on a fait 24 heures avec un spi rabouté et c'était une très belle image pour moi. C'était la preuve que tout est possible. Moi, il s'est déchiré quoi 24 heures après, mais. Ouais, et puis on a nouveau réparé avec un nœud, mais ça a dû voilà. Un quart d'heure. Donc, mais voilà, c'était pour moi, c'était cette image de renvoyer le spi qui était complètement explosé et que ça refonctionne. C'était un bon moment. Être à deux sur une course comme ça, c'est. C'est super. Bah, c'est super, surtout que, on va pas se mentir, on a quand même fait 2000 milles de tribord et 2000 milles de bâbord. À un moment donné, c'est un peu, je vais pas dire soporifique, mais quand t'es plus dans le match, c'est moins intéressant. Et le fait d'être avec Denis, bah, on a beaucoup échangé sur nos projets IMOCA respectifs. Et on s'est régalé, on s'est super bien entendu ensemble. Il m'a beaucoup apporté, je pense que je lui ai apporté aussi. Donc, non, c'était un super moment. Ouais. C'est en double, c'est le partage. Ça me réconcilie avec la transat en double parce que c'est vrai que j'avais fait une transat en double avec une sorte de psychopathe maniaco-dépressif il y a quelques années. On dira pas qui c'est. Voilà, donc, avec Tanguy c'était que du bonheur quoi. Si demain il y a une Barcelona, je veux bien faire la Barcelona avec Tanguy. Même embarquer Taram, ce sera très bien quoi. Honnêtement, ce sera top. Allez, bravo, merci. Merci en Martinique. Merci, au revoir. Merci à vous. Thank you.